Yop les gens, c'est Floskill et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment augmenter sa connexion internet. Donc c'est un tutoriel qui je pense va plaire à beaucoup de gens. Donc en fait c'est quoi le principe de ce tutoriel? Donc en fait vous allez concentrer toute la connexion de votre Livebox sur votre ordinateur. Et du coup réduire grandement la connexion des autres appareils qui sont connectés à votre Livebox. Donc tout ça vous avez même pas besoin de logiciel, donc ça c'est parfait. Vous avez juste besoin de votre CMD. Donc pour votre CMD, vous allez devoir aller dans la barre de recherche de votre menu débarré. Vous allez taper CMD et moi je vous conseille de le mettre en raccourci sur le bureau. Donc ça c'est pas grave, on va quand même le mettre en... D'accord, très bien, super. Donc on va le mettre, vous, en fait vous le mettez en raccourci sur le bureau ou alors vous le mettez en barre des tâches, c'est ce que j'ai fait. Et vous allez tout le temps devoir, excusez-moi, l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc on va commencer tout de suite les commandes. Vous l'ouvrez une première fois. Donc là vous n'avez pas besoin d'administrateur. Vous allez taper Netsch Interface TCP Show Global. Là vous devez juste regarder en fait réglage auto fenêtre de réception. Si c'est mis en normal ça veut dire que la connexion est répartie. Si c'est en restricted ça veut dire qu'elle est, juste sur votre ordinateur. Donc je vais vous apprendre comment le faire. Vous allez l'ouvrir à nouveau en tant qu'administrateur. Donc vous acceptez le petit message qui est juste là et vous allez taper Netsch Interface TCP Set Global Auto Tuning Égal Restricted. Là j'ai mal écrit, excuse-moi. Hop. Et c'est censé faire OK, super. Maintenant, on va réouvrir en tant qu'administrateur. Ça, on va le faire encore quelques fois, mais si ça va pas être très long. Maintenant, vous tapez Netsch Int TCP Set Global Congestion Provider égale CTCP. Bien sûr, je vous mettrai les commandes dans la description, ce sera plus simple pour vous. Vous tapez ça, voilà, donc ça met OK. Et maintenant, pour voir si ça a bien marché, vous avez juste à le rouvrir normalement. Cette fois, vous faites comme on a fait tout au début, Netsch Interface TCP Show Global. Et là, vous voyez que c'est en restricted. Pour que ça s'applique, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur. Donc moi je vais pas le faire sinon le tuto va s'arrêter d'un coup, donc ça va être un peu con. Donc vous allez redémarrer votre ordinateur. Et pour le retirer, pour remettre votre connexion à la normale, vous allez devoir réouvrir en tant qu'administrateur. Vous allez taper Netsch Interface un TCP Set Global Auto Tuning égale normal. Et bien sûr, maintenant on peut voir si ça marche en refaisant la première formule qui est Netsch Interface TCP Show Global. Et là, vous allez voir que c'est en normal et vous devez quand même redémarrer votre ordinateur de toute manière. Donc là, en fait, vous avez vu que c'était super facile comme tutoriel, il y a juste des lignes de commande à taper et ensuite votre connexion va augmenter vraiment, vraiment considérablement. Donc les gars, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser le petit like qui fait toujours plaisir et un commentaire dans l'espace commentaire qui est fait pour ça, donc profitez-en. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tutoriel, on ne sait pas. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.